Bonjour les amis, je suis à côté d'un hangar dans lequel se produisent des combats assez particuliers, des combats de coqs. Et c'est un quartier où j'habitais il y a un an à peu près à Saint-Benoît, à l'île de la Réunion. Et toutes les semaines, il y avait une grande fête où les gens se rassemblaient ici pour assister à des combats de coqs. Et juste à côté, il y a la place du marché, où tous les samedis, les gens se rassemblent pour faire leurs emplettes. Et la place du marché est un endroit très particulier où on peut véritablement discuter, se parler, converser les uns avec les autres. Et j'ai découvert que depuis la crise du Covid, depuis le premier confinement, c'est quelque chose dont les gens ont été privés et dont ils ont cruellement manqué. Et je me suis rendu compte que se parler, converser les uns avec les autres, a trois propriétés. Trois grandes, grandes propriétés. La première, c'est que on en a besoin pour se sentir humain. C'est-à-dire pas humain dans le sens où moi j'ai ma part, moi j'ai mon terrain, moi j'ai plus que l'un ou l'autre, mais en tant qu'être humain, sur un même pied d'égalité. Voilà. Le hangar des coqs est là-bas, d'ailleurs c'est écrit dessus. Bataille coq. La deuxième propriété, c'est que sur le marché, il y a une action citoyenne qui se produit, c'est-à-dire que les gens participent d'eux-mêmes à travers non seulement leur consommation, mais leur attitude, la façon qu'ils ont de se rencontrer, de se dire bonjour, de converser les uns avec les autres. Il y a un acte politique là-dedans. La façon dont on a aujourd'hui de se méfier les uns des autres ou d'être suspicieux les uns envers les autres, si c'est le cas ou si vous le vivez vous dans votre vie, c'est aussi un acte politique qui mène à la division, qui mène à la bataille, comme les batailles de coqs ici. Et la troisième grande propriété des conversations du marché, de ce qui se dit sur le marché, enfin, c'est finalement, j'ai découvert que c'est le sens du travail. C'est-à-dire que tu vois là, sur des marchés encore aujourd'hui, on a la chance de le voir encore, des gens vraiment qui travaillent et qui sont autonomes et libres dans leur travail, c'est-à-dire qui cultivent la terre, qui présentent les fruits de la terre qu'ils ont cultivée pour le vendre. Or, il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui ont disparu et on se retrouve face à des faux métiers. Et c'est rare de voir quelqu'un qui a le fruit de ce qu'il a vraiment fait. On a beaucoup d'experts, par exemple, sur Internet, qui vendent ceci, qui vendent cela, qui font du dropshipping. On a des Amazon, on a des Facebook, on a beaucoup de business en ligne sur Internet, dans le digital. Mais le fait que sur le marché, on voit vraiment quelqu'un qui a travaillé avec ses mains, a fait quelque chose, et qui est là depuis 4 heures, parfois 5 heures du matin, pour présenter le fruit de son travail, moi j'ai senti en moi quelque chose d'inestimable. Et un jour, comme ça, par plaisir, j'ai pris un instrument de musique et j'ai commencé à jouer dans le marché. Et j'étais surpris de la question qui revenait tout le temps. Les gens me demandaient pourquoi est-ce que tu joues et combien est-ce que monsieur le maire te paye, combien est-ce que la mairie te paye. Et j'étais vraiment surpris et j'ai remarqué tout à coup que bien que nous avons la chance d'avoir une place de marché où on peut se rencontrer, converser, vraiment être humain ensemble, on a dans nos têtes, dans nos esprits, une division d'intérêts où on se pose la question, quel est l'intérêt de la personne à faire ça? Peut-être que c'est juste la joie, peut-être que c'est juste le plaisir d'être et de partager. Est-ce que vous avez ce plaisir d'être ou de partager, ou alors est-ce que vous vivez dans un monde où tout doit être fait par intérêt? À bientôt et prenez bien soin de vous.